Apple CarPlay est une fonction qui permet de transférer l'affichage et la commande de certaines des fonctions de votre iPhone vers l'affichage central du véhicule. Pour obtenir la liste complète des fonctions disponibles et vérifier la compatibilité de votre modèle d'iPhone, visitez ce site Web. Connectez votre iPhone à ce port USB à l'aide du câble fourni avec votre téléphone. Un message s'affichera à l'écran. Il vous invitera à confirmer si vous souhaitez utiliser la fonction Apple CarPlay. Touchez « Oui ». Vous pouvez modifier les réglages de sorte qu'Apple CarPlay ne se connecte pas automatiquement chaque fois que votre téléphone est branché sur votre véhicule. Pour ajuster ces réglages, appuyez sur le bouton « Menu », touchez « Réglages », « Connexion », « Appareil », cette icône d'information, « Mise en miroir du téléphone intelligent », puis « Option de démarrage pour régler la fonction à automatique, demander chaque fois ou ne jamais démarrer. Dans ce menu, vous pouvez aussi appuyer sur Aide du véhicule pour Apple CarPlay pour obtenir une liste de conseils utiles. Une fois votre iPhone reconnu par le port USB, l'écran central du véhicule affichera un menu contenant les fonctions de l'iPhone disponible. Touchez une icône pour accéder à la fonction correspondante. Touchez cette icône en bas à gauche pour retourner au menu principal Apple CarPlay. Pour retourner aux fonctions ou au menu habituel du véhicule sur l'affichage central, appuyez sur le bouton « Menu ». Pour revenir à l'écran d'Apple CarPlay, touchez l'icône Apple CarPlay sur la barre de lancement ou appuyez sur le bouton « Menu ». Touchez « Info », « Applications », puis « Apple CarPlay ». Pour accéder à Siri tout en étant connecté à Apple CarPlay, appuyez sur le bouton « Parler » sur le volant et tenez-le enfoncé, ou touchez et maintenez cette touche sur l'écran Apple CarPlay. Certaines fonctions de Siri ne sont pas disponibles pendant que vous conduisez. Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'utilisation de Siri, exprimez-vous clairement et limitez le bruit de fond en fermant les vitres et le toit ouvrant le cas échéant. Dirigez également les bouches de ventilation de sorte qu'elles ne soient pas orientées vers le microphone du véhicule. Pour quitter la fonction Siri, enfoncez le bouton « Parler » sur le volant ou touchez cette touche sur l'écran d'Apple CarPlay. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infiniti pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.